Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Toutes les Box. Moi c'est Géraldine de la chaîne Miss Suzette. Si vous souhaitez découvrir ma chaîne YouTube, eh bien c'est très simple, je vous invite à cliquer juste ici dans le petit i. Bon, on se retrouve pour la box du mois de décembre de My Little Box. J'adore forcément les box du mois de décembre, elles sont ultra féeriques. Avant de vous montrer le contenu de la box comme d'habitude, je vais vous rappeler brièvement le concept de My Little Box. My Little Box c'est donc une box lifestyle mais aussi beauté. Vous recevez 3 produits de beauté ainsi que 2 accessoires, le tout pour 18,50€ par mois. La box est bien sûr sans engagement. Chaque mois, on retrouve un thème surprise qui est toujours ultra bien présenté. Et ce mois-ci, on a droit au thème de Noël à l'imparfait. Chaque année, c'est la même histoire. La cannelle s'invite dans nos boissons chaudes. Les guirlandes sont installées de plus en plus tôt. Seulement voilà, cette année, votre cousine préférée a décidé de partir en road trip improvisé. Votre frère donne sa chance au régime VG et vous vous retrouvez solo pour les fêtes. Invitez donc la voisine d'à côté. Vous décidez donc de conjuguer Noël au pluriel car il n'en existe pas qu'un mais bien plusieurs. Qu'elle soit enneigée ou bien sous le soleil, en famille ou entre amis, la magie de Noël, c'est vous qui la créez. Inventez votre Noël, réinventez-le, mais surtout, vivez-le les amis. Alors pour cette occasion, My Little Box vous permet de gâter une personne chère à votre cœur. Ce n'est pas donc une, mais 2 box qui vous seront envoyées pour en glisser une au pied du sapin. Vous pouvez l'offrir à votre maman, votre sœur, cousine, amie, concierge. L'important finalement, c'est de faire plaisir, non? Dans cette box, on retrouve des marques emblématiques pour fêter Noël avec 4 produits au lieu de 3. Et je vais vous présenter bien sûr le premier accessoire qui est un magnifique écrin à bijoux en velours. Vous pouvez choisir également la couleur, il y en a 3. Bleu canard, jaune curry ou encore bordeaux. Et alors attention, en fonction de la couleur que vous choisirez, vous recevrez une lotion pixie correspondante. Ainsi, avec l'écrin bleu, vous allez recevoir la lotion Pixie Clarity Tonic qui nettoie la peau et diminue l'apparence des pores. Avec l'écrin jaune, la lotion Glow Tonic qui lutte contre les impuretés et l'excès de sébum. Et enfin avec la couleur bordeaux, vous recevrez la lotion Collagène Tonic qui diminue les ridules, lisse la peau et uniformise le teint. Bon, est-ce qu'on en parle de la beauté de cet écrin à bijoux vraiment superbe? Donc moi j'ai pris la couleur jaune moutarde qui est vraiment super belle. L'avantage c'est que vous pouvez donc le prendre pour partir en vacances. Il est très joli, l'intérieur on a de très jolis motifs comme d'habitude. Et vous avez donc tous les produits à l'intérieur. On a également juste ici une très jolie illustration, le petit prince. Les étoiles sont éclairées pour que chacun puisse un jour retrouver la sienne. Vous retrouvez également un petit QR code à scanner afin de voir le détail descriptif des produits, ce que je vais faire immédiatement. Les produits sont dans cette très jolie pochette et je commence bien sûr avec la lotion Pixie. Donc moi j'ai reçu la Glow Tonic comme je vous l'expliquais tout à l'heure. On est sur un format de 100 ml. Comme je vous le disais tout à l'heure, celui-ci lutte contre les impuretés et diminue l'excès de sébum. Ensuite on retrouve un magnifique rouge à lèvres de la marque Estée Lauder. Donc c'est le Pure Color Envy Matte. Donc c'est un rouge sculptant et c'est la couleur 333. Donc c'est la persuasive. Ce rouge à lèvres va procurer un aspect glamour tout en façonnant les lèvres. La finition mate est originale, donc on est sur une très jolie couleur pour les fêtes, bien sûr, à porter le soir du réveillon ou le jour de Noël. On retrouve également un produit de la marque Le Rouge Français. Donc c'est un produit pour les cils ainsi que les sourcils. Et donc c'est un soin, tout simplement. J'ai déjà eu la chance de tester les produits de cette marque, mais pas cette catégorie-ci. Donc ce sera l'occasion de découvrir ça. Comme dans chaque box, on retrouve un produit de la marque My Little Beauty. Et ici, on retrouve donc un blush Call Me Rosie, c'est trop mignon. Donc c'est un fard à joues poudré, la couleur est très sympa, c'est un petit peu irisé également. Et à l'intérieur on retrouve 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc bonne mine garantie le lendemain du réveillon si vous avez un petit peu trop fêté, que vous êtes couché un peu tard. Le petit coup de blush le matin de Noël. Et ça fera l'affaire. Et alors je suis ravie puisque dans le dernier accessoire, bien sûr, on a des boucles d'oreilles. Elles sont magnifiques en doré comme ça. C'est noté les anneaux qui payent leur tournée. Mieux que la cerise sur le gâteau, ces boucles d'oreilles sont la rondelle de citron sur le verre de limonade de votre look. Et le mieux, elles sont en métal recyclé. Donc c'est parfait. Vous pourrez les porter le soir du réveillon ou bien pour Noël ou encore pour Nouvel An.
Et enfin, on a le joli pochon dans lequel vous pouvez glisser tous vos produits. Écoutez, je suis très contente de cette édition de Noël avec My Little Box. Vraiment, ils ont de très jolis produits comme chaque année. On retrouve des produits pour se faire plaisir en termes de make-up, également soins. Donc, ce sera l'occasion de tester tout ça. Et en plus, ils sont ultra généreux puisqu'on a 2 box ce mois-ci. Donc vraiment, c'est super de leur part d'avoir fait ça. Si vous avez envie de tester My Little Box, je vous remets le lien bien sûr en barre d'informations comme d'habitude. Moi, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite un très joyeux Noël. Profitez bien de ces moments en famille avec vos proches. Et moi, je vous retrouve l'année prochaine pour la My Little Box de janvier 2023. Portez-vous bien, je vous fais de très gros bisous et je vous dis donc à l'année prochaine. Bye!